Avant de commencer ce tuto, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter, mais aussi à activer la cloche pour recevoir une notification dès la sortie des prochaines vidéos. N'oubliez pas que la chaîne a besoin de vous, alors n'hésitez pas, si vous le pouvez, à nous soutenir en cliquant sur le lien donation dans la description de cette vidéo. Merci à toutes et tous par avance. Bonjour à toutes et tous, j'aimerais vous parler une nouvelle fois d'un raccourci clavier qui pourrait bien vous être utile. Mais de quoi s'agit-il? Eh bien, si vous n'avez pas envie d'utiliser Quick Sampler, Sampler ou encore la fonction Flex de Logic, vous allez tout de même pouvoir découper vos fichiers audio à chaque marqueur de transitoire. Mais le petit détail qui fait toute la magie de cette manipulation, c'est qu'elle ne peut être utilisée que via un raccourci. Vous n'y aurez pas accès via un menu quelconque ou un bouton par exemple. Mais avant toute chose, il va falloir aller configurer ce dernier en allant dans Logic, raccourci clavier, modifier les assignations. Dans cette fenêtre, je vous propose ici de taper, comme je l'ai fait, le mot transitoire. Et on voit immédiatement que, ici, découper au marqueur d'éléments transitoires est bien disponible, mais n'a pas de raccourci affecté. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui affecter le raccourci de notre choix, en cliquant ici sur « Apprendre par nom de touche », en se mettant dans cette petite fenêtre et en faisant par exemple « Commande Alt Shift S ». Une fois que c'est fait, je ferme cette fenêtre, je retourne dans ma fenêtre arrangement, je sélectionne, il faut bien sélectionner le fichier audio, et je fais mon raccourci « Commande Alt Shift S ». Et automatiquement, eh bien, Logic a découpé, a slicé mon fichier audio à chaque marqueur de transitoire. Donc c'est super pratique, super efficace, et encore une fois, ça va vous faire gagner du temps. Voilà, j'espère que ce petit tuto rapide vous aura plu, et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto.